Le patron, donnez-moi un verre de cidre. Ah, le patron, je ne suis pas encore le patron, vous savez. Mais pourquoi vous me posez ces questions? Vous n'êtes pas journaliste, moi. Oh non, pas du tout. Non. Je suis représentant en crayon. Ah bon, alors ça va. Parce qu'il y en a peut-être qui vont s'amener aujourd'hui ou demain, hein. Alors, pensez. Tiens, ça porte bonheur, ça. Mais ce qui paraît, j'ai une liste de réponses que l'instituteur m'a écrite, alors, parce qu'il faut se méfier avec ce gars-là. Ah, vous avez raison. Et ils viendront à quel sujet, ces journalistes de malheur? Mais dites donc, c'était pour me poser des questions ou vous venez au pourboire du cidre, hein? Pour boire du cidre? Bricou, Duval, par exemple. Toujours sur place le premier. Vous le connaissez? Ben vous pensez, il est représentant en crayon lui aussi, comme moi. Ah, oui, comme lui. Très bien. On fait la région ensemble. Oh, ben c'est ce qu'il faut. Alors qu'est-ce que vous... Et voilà Giroud, le troisième représentant de crayon. Ah, dites donc. Bonjour. Je me disais aussi, il manque le petit Giroud. Mais voyez-vous, j'aurais jamais cru qu'on usait tant de crayon par ici. Ah, qu'est-ce que vous voulez, un cidre aussi? Oui. Bon. Qu'est-ce qu'ils foutent ces journalistes? Ils vont peut-être pas venir, mais ils peuvent toujours s'amener. Parce qu'avec moi, hein, bouche cousue. Ils sauront rien, c'est moi qui vous le dis. Allez, patron, puisqu'on est entre nous, là, oui. Asseyez-vous. On va bavarder gentiment, hein, ça fera passer le temps. Eh ben, c'est pas l'enfer. Vous êtes bien aimable. Justement, j'ai rien à faire. Alors... Vous n'avez pas besoin par hasard de crayons, non? Des crayons, pourquoi? Vous allez bien à l'école, je crois. Oui. Ben, racontez-nous, pourquoi allez-vous à l'école? Bon, ben, je vais tout raconter. Entre nous, comme ça. Figurez-vous. Avec les oreillons. Allons, un peu de bonne volonté, voyons. La chaussée, c'est pour les voitures. Le trottoir, c'est pour les piétons. Je vous préviens que je vais avancer. Voilà. Ce sont des amis de mes parents. Bon, pour te faire plaisir, je vais essayer de n'en écraser qu'un. Que tu es jolie, la plus jolie fille des Champs-Élysées. Ailleurs. On ira voir. Ah, ne m'y touchez pas! Emmenez-moi au commissariat. Mais non, circulez simplement. Je veux aller au commissariat, c'est mon droit. Il ne m'en reste déjà pas beaucoup. J'entends pouvoir faire résonner dans les commissariats la voix déchirée des derniers piétons de Paris. Serviteur, monsieur. En avant, vous autres.